Autour du livre, votre chronique littéraire. Autour du livre, avec Jocelyne. Bonjour les loulous, aujourd'hui je voudrais vous parler de deux livres. Le premier, ça s'appelle Salsa piquantée, Le moineau de Bellecourt, de Jean Ducreux aux éditions Terre Lyonnaise. Et là, nous allons partir en décembre 2019 à Lyon, parce qu'une top modèle sud-américaine est assassinée devant la statue équestre de Louis XIV en pleine fête des Lumières. Et avant de mourir, cette jeune femme va juste prononcer deux mots « salsa piquantée ». Eh bien, ça va être tout le suspense du livre. Pourquoi a-t-elle dit ces deux mots « salsa piquantée » ? Et là, son voisin, qui s'appelle Nacho Obispo, va se mettre en quête des tueurs. Parce que peut-être que sa femme, elle est un peu incriminée dans cette enquête. Et ce Nacho Obispo, il est père de 6 enfants, il est d'origine hispanique et il va se lancer aux trousses des tueurs avec son chien El Gato. Alors moi, je vais vous laisser découvrir ce livre. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Ça nous emmène visiter des quartiers de Lyon. Moi, ça m'a rappelé plein de souvenirs, en fait. Et puis, la verve de ce livre est très, très belle. C'est bien écrit. Ça se lit très bien. Moi, j'ai mis très peu de temps pour le lire. J'ai trouvé ça très, très chouette. Alors, c'est le livre de Jean Ducreux, Salsa piquantée, Le moineau de Bellecourt. C'est aux éditions Terre Lyonnaise. Alors, le deuxième que moi j'ai adoré, parce que je suis fan du Petit Prince, c'est celui de Michel Bussy qui s'appelle Code 612 et ça s'appelle Qui a tué le Petit Prince? C'est aux presses de la Cité. Michel Bussy, dans ce livre qui est complètement décalé par rapport au livre qu'il fait d'habitude, il va nous parler du livre Le Petit Prince, qui est le livre le plus traduit dans le monde après la Bible et l'un des plus vendus. Il va nous parler de l'enfance, en fait, de ce petit garçon blond qui est mordu mortellement par un serpent, ce petit prince. Mais qui a tué le petit prince? Est-ce que c'est le serpent? Est-ce que c'est Saint-Exupéry? Qui est exactement Saint-Exupéry aussi? Et comment ça se fait qu'on n'a jamais retrouvé vraiment son avion? On a retrouvé un bracelet qui lui appartenait dans les eaux de Marseille alors qu'il n'aurait pas dû être là. C'est vraiment, il nous emmène dans une enquête pour savoir est-ce que quoi? Est-ce que le petit prince est mort? Est-ce que Saint-Exupéry est mort? Est-ce que... On reste avec plein de questions, mais ça nous permet de voir et de relire le petit prince avec un œil différent. Et du coup, en plus, je vous invite, après avoir lu ce livre, à aller voir l'exposition à la Sucrière sur Saint-Exupéry. Je vous dis à la semaine prochaine, les loulous!